Chers amis internautes, bonjour. Nous voilà déjà pour la cinquième vidéo d'expérience à faire à la maison. Bon amusement. Nous allons commencer par une petite expérience qui devrait beaucoup vous amuser. Pour la réaliser, vous avez besoin d'un œuf cru, d'un bocal qui serve avec un couvercle et de vinaigre blanc. Déposez délicatement l'œuf au fond du bocal et remplissez-le au ras-bord avec du vinaigre. Maintenant, refermez le couvercle et laissez tremper l'œuf pendant 24 heures. Vous voyez, après avoir passé 24 heures dans le vinaigre, l'œuf est devenu complètement caoutchouteux. Il peut même rebondir. Je vous mets au défi d'arriver à faire flotter cette aiguille à coudre dans ce verre d'eau. Elle coulera à tous les coups, n'est-ce pas ? Eh ben non, moi je connais une technique. Pour cela, vous avez tout simplement besoin d'un mouchoir en papier. Découpez un petit bout de papier dans le mouchoir et posez-le sur l'eau. Maintenant, déposez délicatement l'aiguille sur ce petit bout de papier. Avec la pointe d'un couteau, poussez le petit bout de mouchoir. Magie ! L'aiguille flotte sur l'eau. Il est totalement impossible de faire le son « mmh » plus de 3 secondes d'affilée en vous pinçant le nez. La preuve, « vous verrez, totalement impossible. Essayez de dire à voix haute la couleur dans laquelle chaque mot est écrit. Attention, j'ai bien dit la couleur. Pas facile, hein? C'est normal. En réalité, la partie droite de votre cerveau essaie de lire la couleur, alors que la partie gauche insiste pour lire le mot. Voici une astuce qui devrait amuser les amateurs d'informatique. Si vous possédez Windows sur votre ordinateur, il est possible de faire apparaître un clavier virtuel. Ouais, j'ai bien dit un clavier virtuel. Pour cela, il suffit de cliquer sur la barre des tâches et de taper OSK dans la recherche. Maintenant, cliquez sur Enter. Vous voyez, le clavier virtuel est apparu.